Bonjour, aujourd'hui un nouveau coup de cœur, effectivement un coup de cœur particulier parce que j'ai eu la chance de le lire, il va sortir très bientôt, donc je suis très très heureuse de vous le présenter et je ne vous fais pas patienter plus. Voilà, c'est le deuxième livre d'Aurore Rogier qui s'appelle Libre. On est dans la période où on est, il faut être libre et là c'est des vraiment, enfin faut être, je m'excuse, choisir d'être libre. C'est plutôt ça. Choisir d'être libre. Et là, c'est vraiment le livre qui va nous le permettre. Alors, libre, et en sous-titre, il y a marqué Maîtriser son pouvoir créateur pour une transformation intérieure. En fait, c'est plutôt un guide pratique. Là, elle nous propose un guide pratique, mais superbe. Alors, autant son premier livre, Espoir, il a été canalisé très rapidement. C'était sur des sujets bien précis, l'amour, la joie, le lâcher prise, etc. Et c'était super parce que c'était vraiment, c'était arrivé de là-haut, donc on avait des choses très intéressantes sur ces différents sujets. Autant là, il va y avoir plusieurs chapitres. On a 10 chapitres. 10 chapitres, mais c'est 10 petites pépites pour mettre en pratique de façon à être libre. Alors vous avez le pouvoir de la vérité du présent, la voix du cœur par la source. Revenir dans le corps et les chakras sacrés. Moi, j'ai adoré ce passage-là. L'apport de l'intuition. Plein d'outils. L'intégrité, la parole impeccable, etc. Vous allez avoir ici, dans ce guide pratique, de maîtriser, comment maîtriser. Ce sont des exercices pratiques à mettre en action, à mettre dans votre vie de tous les jours, à mettre, oui, à s'entraîner à le faire, quoi, en fait, à faire. C'est de façon à justement maîtriser son propre pouvoir créateur par la transformation intérieure. En fait, c'est tous des exercices faciles et simples à faire. Vous allez être étonné de savoir comment, avec ces outils-là, on peut transformer. Alors moi, j'ai déjà un petit peu pratiqué, hein, je l'ai reçu, j'ai déjà un petit peu pratiqué. C'est vraiment un livre à offrir, à se faire cadeau. Il est fantastique. Et on découvre que très naturellement et très simplement, on peut modifier des choses. À l'époque où on est aujourd'hui, avec tout ce qui brasse à l'extérieur, en fait, on nous demande de modifier notre intérieur. Mais c'est la loi de l'univers, hein, et elle vous l'explique très bien parce que entre ces outils qu'elle propose, Aurore nous met aussi, elle a la chance d'avoir aussi quelques explications par canalisation, mais elle nous partage ce qu'elle a vécu. Donc c'est là toute la richesse aussi, c'est partager ce qu'elle a vécu, et elle nous invite à aller plus loin. Avec ces outils qu'elle partage. Donc moi, franchement, je peux que vous le conseiller. J'ai toujours l'habitude de vous dire, écoutez-les dans votre cœur, mais là, vraiment, pour cette nouvelle année, faites-vous plaisir, offrez-vous-le. C'est rempli de pépites qui vont vous permettre de vous alléger, de retrouver une sérénité, de comprendre et donc de transmuter et de créer, de pouvoir être en union avec l'univers et de pouvoir créer ce que vous désirez, quoi, d'avoir une vie fantastique. Donc, qui ne veut pas avoir une vie fantastique? Alors, voilà, je vous souhaite de le découvrir rapidement. Je sais qu'il est déjà en livre, comment il est déjà en livre numérique et il va bientôt sortir en février. Donc, allez-y, commandez-le parce que c'est un beau cadeau à vous faire et c'est fantastique. Alors, je vous dis à tout bientôt avec de nouvelles aventures.